Nous saluons tout le monde qui a regardé la vidéo ça dans un moment. Et bien, aujourd'hui, nous venons montrer le classement passeport. Et dans quel classement, dans quelle place vous mettez chaque passeport qui est dans le monde là. Donc, et passeport Brésil, passeport Haïti, passeport Saint-Domingue, passeport Chili, tout passeport ça, qui place vous occupez au niveau mondial. Donc c'est ça que nous venons montrer aujourd'hui hein, et dans la vidéo ça. Classement en ligne des passeports. Cet article ne cite pas suffisamment des sources. Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des qualités traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références et affinité en lien ouais, ça c'est bon. Le classement, ça qui intéresse nous, c'est ça. Le classement en ligne des passeports est un classement mondial des pays basé sur la liberté de circulation des citoyens en collaboration avec l'Association internationale et du passeport aérien. Et à partir des données officielles de sa base de données mondiale, ENLAI est partenaire à analyser la réglementation des visas de tous les pays et territoires à travers le monde depuis 2006. Donc, nous n'avons pas besoin de tout pour. Donc, je pense que consiste un classement à faire, il consiste un classement de pays, territoires, nombre de pays, territoires, où vous pouvez voyager sans visa dans le passeport d'un pays, territoire particulier. Le classement est établi en fonction du score atteint par chaque pays en termes de nombre d'autres pays auxquels l'accès sans visa est possible. La base de données comprend tous les pays et territoires inclus dans la base de données. Étant donné que tous les territoires ne délivrent pas de passeport, il y a beaucoup moins de pays, territoires classés que les pays, territoires de destination avec lesquels des consultations sont effectuées. Par exemple, en 2019, une personne avec un passeport japonais peut voyager dans 190 pays ou destinations sans obtenir préalablement des visas, ce qui n'empêche pas que les autorités ne lui délivrent toutefois un visa à son arrivée, comme par exemple en Inde, dans 36 destinations, un visa est nécessaire. Ainsi, le score est de 190. Et j'en ai regardé avec moi là, et c'est classement passeport que j'en ai regardé là avec moi. Et en première position, numéro 1, qui pays vous mettez en première position dans le classement mondial là, c'est Japon avec Singapour qui occupe la première place avec 190 pays qui sont capables de visiter et sans et visa. Et Finlande, Allemagne, Corée du Sud, 188 pays visités sans visa. Donc, ils ont placé les pays en deuxième position. Et en troisième position, nous joignons Danemark, Italie, Luxembourg, avec 187 pays qu'on peut visiter sans visa. Et en quatrième position, la France, Espagne, Suède, en quatrième position. Donc, c'est classement passeport, ça, qui n'a pas gardé là avec moi. Yo classé yo par et
position, premier, deuxième, troisième, parce qu'au cap même à un moment là, c'est Japon avec Singapour qui place en première position avec environ 190 passeports et 190 et pays qu'on peut visiter sans visa. Et après aller ici en cinquième position, Autriche, Pays-Bas, Portugal, 185 pays et qu'on peut visiter sans visa. Et en aller, et pour les États-Unis est situé en sixième position. Et j'en ai regardé la sixième position. Pays, il y a plusieurs pays qui font partie de sixième position. Nous joignons Belgique, Canada, Grèce, Irlande, Norvège, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis. Tout pays ça y est classé en sixième position. Et quand on est capable de visiter 184 pays et sur 227 pays et qu'on est capable de visiter sans visa. Et quand même, c'est pas mal du tout, c'est bien. Et en septième position, c'est République tchèque, Malte. Donc, en aller, et pour huitième position, Nouvelle-Zélande. Neuvième position, Australie, Lituanie et Slovaquie. Et dixième position, on a regardé là, c'est Hongrie, Islande, Lettonie, Slovénie. Estonie en 6e position avec 179 pays qu'on peut visiter sans visa. Et donc en 13e position, donc et 12e position c'est Malaisie. En 13e position, nous gagnons Chili, Pologne. Donc Chili, passeport Chili, est placé en 13e position avec 174 pays et que nous sommes capables de visiter sans visa. Et sur 227 pays. Donc, on allait et pour nous toujours sur bord gauche là, on a regardé ici Brésil qui place en 17e position avec 170 pays qui sont capables de visiter ce pays sans visa. Et Brésil place en 17e position avec 170 pays qu'on peut visiter sans visa. Et Brésil placé en même position avec Argentine, Bulgarie. Donc, 18e position, Croatie, Hong Kong. Et 19e position, c'est Saint-Martin. Et on a regardé là, on a en 21e position, Guinée. Andorre, 20e position, 22e position, Baba d'Israël, Mexique en 23e position, Bahamas, Saint-Christophe et Nevis en 24e position. Donc, on a regardé avec moi position et passeport là. Et chaque pays qui position est occupé dans le classement mondial passeport. Panama et 34e position. La Dominique, bon, Pérou c'est en 36e position. Et qui l'autre pays encore? Guatemala, Venezuela 36e, 38e position. Ok, mais n'a pas regardé autant de fois que m'a descendre couleur ou à mon tigeant a changé. Ok, dans un petit monté encore pour nous, et il commence autant de fois que ma monté ou après couleur a vint plus vert. Ok, plus vert, ça veut dire couleur vert, c'est bon, c'est de très bonne position. Qui est le gars du Mexique? Bon, il est pas mal en 23e position qui passe pour là et n'a pas gardé Brésil en 17e position vert et pas mal du tout. Et on prend en 6e position,
sixième position, nous prenons les États-Unis en sixième position. Canada vert. On va aller sur la sur le côté gauche et 55e position, c'est Timor Oriental. Donc bon, parce que là pas bon. Koweït 56e position, Qatar. Donc, je vais laisser nous garder Équateur en 58e position avec 91 pays sur 257 et sur 227. Et Équateur est placé en 58e position avec 91 pays qu'on peut visiter sans visa sur 227 pays. Et Fidji, 88 pays. Guyana, on a regardé Jamaïque, place en 61e position. Et on a regardé là avec moi Bolivie, place en 65e position. Et vraiment bas, Thaïlande. Vraiment bas, passeport ça vraiment bas, position occupée dans le classement mondial là vraiment bas. Et n'a pas gardé couleur et changé. Et pendant nous là n'a pas gardé Brésil, ils vont couleur vert qui très bon. Argentine, Bulgarie et Brésil place en 17e position. Et côté Chili en 13e position avec Pologne, avec 174 pays que on est capable de visiter sans visa. Chili place en 13e position. Brésil placé en 17e position avec 170 pays. OK, on va continuer côté NTIA. Et oh, la Chine 72e. La 172e, oh, la Chine vraiment bonne. Ok. Indonésie, Zambie, Gambie, Tanzanie. Oh. Et n'a regardé la Cuba, Ghana, Philippines, 77e position. République Dominicaine, place en 78e position avec 64 pays. On peut visiter sans visa. Et Sierra Leone, Bénin, on a des positions. Chaque pays occupé. Inde occupé 90e position avec 59 pays. Sur 227 que on est capable de visiter sans visa. Et Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est des pays en Afrique, Rwanda, vraiment bas, Gabon, Guinée, Sénégal, Togo, vraiment bas. Vraiment bas. Algérie, donc c'est assemblé en bas, on sait des pays en Afrique. Et Égypte, Jordanie, Néo, Laos, Haïti occupé 90e position avec 49 pays qui sont capables. Et Haïti occupé 92e place. Classement et capable de visiter Haïti, capable de visiter 49 pays sans visa. Donc pour cela, Haïti placé en 92e position
faut toujours Angola, Cameroun, Égypte, Haïti, Jordanie, Laos. Donc vraiment bas. Depuis plus bas toujours, ça a vraiment dur. Burundi, Libéria, vraiment bas. République du Congo, Djibouti, vraiment bas. Nigeria. Kosovo, 98e position. Bangladesh, Iran. Donc, j'en ai regardé là, c'est ensemble des pays que j'en ai regardé là pour te capable classement, comment vous classez et quantité de pays que vous capable visiter avec passeport pays ça sans visa. C'est ça que nous devons montrer maintenant. Et Somalie, on a gardé la 104e position avec 31 pays qui sont capables de visiter sans visa. Et Somalie fait la même position avec Pakistan. Donc, en dernière position, nous joignons Afghanistan qui trouve en dernière position avec 25 pays qui ont monde capable de visiter avec passeport Afghanistan. Il est placé en 107e position. Donc, premier pays, c'est nous avons regardé là. Premier pays, c'est nous avons regardé en l'air. Premier pays c'est Japon, Singapour qui trouve en première position avec 190 pays et sur 227. Donc dernier pays à lui-même c'est Afghanistan, j'en ai regardé là qui placé en 107e position. Et nous juste un petit rappel que le passeport Brésil est bien situé, pas mal du tout, il est placé en 17e position, très bien placé. J'en ai regardé là, il est en même position avec Argentine, Bulgarie, et il est en couleur vert. Et tandis que le passeport qui n'est pas bon, yo, et bon, pas dit pas bon, mais qui est occupé. Et qui a moins de quantité de pays que vous êtes capable de visiter. Ouais, bon, l'autre couleur. Donc, on a dit couleur vert là, c'est il veut dire positif, mais l'autre couleur, yo, et t'avais son couleur plus ou moins négatif, que vous êtes capable de dire. Donc, vous regardez les couleurs jaunes, ça, autant de fois que vous descendez. Après couleur a changé, mais les m'a monté ou elle différent ou elle a pris couleur vert là, ça veut dire qu'elle est bon. Ok, et ça c'est Brésil, n'a pas regardé là, hein? Brésil, parce que Brésil a situé en 17e position. Et puis donc j'ai Chili qui est très bien placé aussi, qui a avant Brésil en 13e position. Donc en plus on était capable de passer et États-Unis, c'est lui-même qui était capable premier dans le classement passeport, mais États-Unis pas premier, c'est lui place en 6e position. Et côté nous joignons Wyoming avec lui, Suisse, Norvège, Irlande, Grèce, Belgique, Canada, tout pays ça a placé dans la même position. Mais avant 6e position, nous joignons pile l'autre pays. Et qui c'est Autriche, Pays-Bas, Portugal, qui est classé en 5e position. Et puis la France lui-même, il passe en 4e position avec Espagne, Suède, avec un total de 186 pays qui sont même capables de visiter sans visa et sur 227. Et puis Danemark placé en 3e position avec Italie, Luxembourg, avec 187 pays.
et nous jouons en deuxième position Allemagne, Finlande, Corée du Sud. En deuxième position, très bien placé aussi. Et avec 188 pays. Et en première position, nous jouons le Japon et Singapour. Et sous pas comme ça, c'est deux pays ça au Cap Mené en moment avec passeport qui placé en première position avec une quantité de 190 pays qui ont même capable de visiter sans visa sur 227. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça que nous avons porté pour aujourd'hui. Pas oublier, encouragez-nous, abonnez-vous avec la chaîne pour ne pas rater l'autre vidéo que nous avons posté. Et très prochainement, et je pense que ça fait plaisir et je suis content en pile pour poursuivre l'autre vidéo que nous avons posté et pour vous. Donc nous vous remercions à tout le monde. Nous vous croisons dans l'autre vidéo. Ciao.